Bienvenue dans cette édition, voici notre sommaire. 3000 km, 5 mois, Charles Edrich s'apprête à prendre le départ de son Tour de France des voies navigables à la rame. L'explorateur quittera Paris le 20 mai en remontant par l'Est, passage prévu sur la Marne dans les jours qui suivent. Louis Vallée l'a rencontré lors d'une conférence de presse ce mardi. Jusqu'au 8 mai à Chelles, une exposition revient sur l'histoire de la Shoah et plus particulièrement sur celle de famille juste chelloise. Une expo accessible aux plus jeunes et à tous ceux qui souhaitent garder en mémoire ceux qui ont agi pendant la guerre. Il se présente comme le numéro 1 mondial du sport aventure. À 58 ans, Charles Edrich s'apprête à relever un nouveau défi, réaliser le premier Tour de France à la rame. Voilà 13 ans que cet ancien chef d'entreprise parcourt le globe à la recherche d'aventures. Son palmarès impressionne. Tour du monde à la voile, ascension de l'Everest, expédition en Antarctique, et la liste est encore longue. Après des périples aux quatre coins de la planète, l'aventurier s'attaque donc aux voies navigables de l'Hexagone. 3000 km à parcourir en 5 mois, un défi sportif, mais pas que. Avec cette expédition, Charles Edrich souhaite avant tout faire des rencontres. Si on fait une moyenne, c'est 20 km par jour, donc c'est pas beaucoup, mais ça me permet justement d'avoir beaucoup de temps pour mener des animations, des opérations avec des jeunes, des opérations avec des gens qui vont me suivre avec des avirons. Le départ, ce sera le 20 mai prochain à Paris. Deux ou trois jours plus tard, l'aventurier passera par les communes de Chelles, Torcy ou Lagny en naviguant sur la Marne. Vous ne pourrez pas le rater à bord de son rameur prototype. Alors c'est un bateau, c'est le rameur des glaces, c'est son nom, donc 160 kg à vide. Extra solide en Kevlar carbone, spécialement étudié pour le Grand Nord, pour les glaces, pour les icebergs. Bon, pas d'iceberg en vue cette fois-ci, mais plus de 500 écluses se dresseront sur son chemin. Pour les franchir, il a dû obtenir l'autorisation de VNF. L'organisme gère une grande partie des voies navigables françaises. Il y a un règlement général de police, un peu comme le code de la route, avec des pare-voies navigables, des règlements particuliers de police, donc qui fixent des prescriptions spécifiques. Dans le cas de Charles Edrich, il y a une prescription qui s'impose, c'est d'avoir l'autorisation du gestionnaire donc de voies navigables de France pour passer les écluses. Donc on va lui donner une autorisation, mais on veillera pour qu'il passe les écluses sans problème. Temps d'attente moyen pour franchir une écluse, environ 2 heures. Si tout se passe bien, Charles Edrich bouclera son périple le 20 octobre prochain à Paris. Cet actus est fini pour cette édition. Prochain rendez-vous mercredi à 19h.